putain. Oh la merde, c'est celle-là. Ouais, donc je te disais que c'était... Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à tous les amis au nouveau Débrief by Zatis, un nouvel épisode aujourd'hui avec un nouveau candidat. Pour cela, j'ai choisi une des personnes les plus suiveuses de l'aventure. Puisqu'il s'agit de Océane, mesdames et messieurs. Arrête, c'est pas vrai, c'est pas personne, moi. Dès qu'elle regarde c'est quelqu'un, faux. Elle la suit, comme ça, dans la... Ah, oh, il y a quelqu'un, ah, oh, je la suis. C'est tellement pas vrai, en plus. Raphaël, il va dire, j'aime bien les citrons. Ah, moi aussi, j'aime bien les citrons. Au restaurant, tu prends quoi au restaurant? Aurélie, elle va dire, ah, oh, moi, j'aime pas cette fille-là. Ah, moi aussi, j'aime pas les citrons. Bah, apparemment, c'est pour ça qu'on te connaît. C'est même pas vrai. Arrête de mentir. Passe-tu aux commentaires. Il faut qu'on se décale, visiblement. Ah, on n'est pas dans l'axe. Tu vois, tu es une suiveuse. Je suis allée là et tu m'as suivi. Ouais, c'est ouais, ça que tu veux. Bah, je suis une grosse suiveuse, alors bah voilà, je suis une suiveuse. Bah, je t'ai suivi. Sur Insta ou sur... Je te suis même pas sur Insta. Non, pas encore, parce que tu sais que. Je me suis dit, on attend le rendez-vous. J'ai fait tout. Bon, comment ça va, Céline? Ça va et toi? Tranquille, tout va bien. Moi, ça va très bien. On est là pour discuter justement d'un épisode très particulier parce que. Ah bon? Tu vas apparemment. Je vais faire quoi? Tu vas parler un peu fort avec certaines personnes. Oh là là! Non mais bon, c'est vrai que dès ton arrivée, on a vu que t'étais quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Oui, c'est vrai, ça voilà, c'est vrai, je te l'accorde. T'as un fort caractère, tu te laisses pas marcher dessus. Tu me fais penser à une certaine Sephora, mais en moins ghetto. Arrête d'être comme ça. Arrête d'être comme ça. Bisous, c'est faux. Moi, je l'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien, c'est faux, c'est ma pote. Mais c'est vrai que, ouais, on te connaît pour ça. Ton côté franc-parler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Des anges emblématiques qui n'aiment pas quand on arrive et que justement, il y a une personne qui a une forte personnalité. Des fois, ils essaient de la mettre sur le côté histoire d'être les seuls. Hein, les seuls coqs dans la basse-cour, on va dire. J'ai l'habitude de ça, même dans la vraie vie, ouais. De toujours être entouré de gens qui prennent de la place. Ça m'a jamais dérangé, en fait. Des gros, c'est ça que tu veux dire? Non, j'ai jamais dit ça. Ouais. Tu le prends personnellement? Ouais. Pourquoi tout de suite tant de haine? Pourquoi tant de pique à me regarder? Tu le prends personnellement? Arrête, bien, ça commence bien. J'ai été victime de ça aussi. T'es pas gros. Oh. Non, j'ai été victime de ça aussi, mais t'es pas gros. Hein. Bah, pourquoi tu le dis toi aussi? Bref, ça devient gênant. Bref, hein. C'était le débrief by Zatis avec Océane. Laisse le lama tranquille, Mskin. Mais il m'aidait. Ouais, mais non, c'est mon pote. Il m'aidait à me sentir bien. Il t'aidait. Tiens, je te le prête. Merci, c'est gentil. Et du coup, comment ça s'est passé alors avec les autres? Non, franchement, ça s'est bien passé. Ouais. Je me suis bien intégrée. Après, c'est vrai qu'il y a des gens avec qui j'étais plus ou moins d'accord. Et à ce moment-là, tu vas jamais être d'accord avec tout le monde de toute façon. Ouais, voilà. Dans une maison, c'est impossible d'être d'accord avec tout le monde. Mais disons que je me suis jamais cachée de dire ce que je pensais quand il y a des choses qui me dérangeaient. Non, on va bien le voir. Arrête de faire. Avec quelle personne ça ne passait vraiment pas? C'est pas de ça passait pas parce que j'ai pas de rancœur, ouais. Mais je dirais que j'ai eu de nombreuses embrouilles avec toujours les mêmes, que ce soit avec des Pascal que j'adore, moi je me suis souvent embrouillée avec Julien Guirado, Raphaël, ça a été toujours ces mêmes gens. Ben bah, bizarrement c'est des personnes qui eux aussi ont des fortes personnalités. Donc mais c'est bien sûr. Pour ça que justement ça. Totalement, totalement. Il y a eu personne avec qui tu t'es engueulé ou parti en mauvais termes de la maison? Oksana, avec qui c'est pas passé. Encore une fois, moi je m'embrouille avec les gens, mais après j'oublie quoi. Il n'y a pas de haine? Non, il n'y a pas de haine. Déteste, jamais, jamais. Franchement, j'ai pas le temps pour ça. Ouais. J'ai pas le temps de détester les gens. On peut s'accrocher, mais c'est pas grave. Mm-hmm. On a le droit d'avoir des avis divergents. Et après, tranquille, on passe à autre chose. Mm-hmm, et le lendemain, rebelote. Vous voyez que les anges peuvent être intelligents. Elle a utilisé bien le sûr. Mot divergent. T'as... C'est quand même un mot qui sort de la. D'habitude, on n'entend pas ça dans ces programmes-là. Attends, comment tu généralises? Il y a des gens intelligents. Non, mais bien sûr qu'on. Heureusement qu'il y a des gens intelligents, parce qu'il y a même des gens qui font semblant d'être bêtes. C'est vrai. Comme ça. Quoi ils sont très intelligents, hein, c'est parce qu'il vrai, faut ça. Très intelligent pour se faire passer pour quelqu'un de bête alors qu'on ne l'est pas forcément. C'est vrai ça. Avis aux fake, avis aux. Tu parles. Avis aux hypocrites, à ceux qui font blagues, ils sont teubés alors que non, qui font des erreurs de français juste pour qu'ils soient repris dans les anges. Ah, tu crois quoi? Ah, tu crois V quoi, frère? Non, tu crois V quoi? Quoi, ça se dit maintenant? Je crois pas, non. Non, c'est. Il y a quoi qui est rentré dans le dictionnaire il n'y a pas longtemps? Je vais pas t'aider. On se trouve. Oui, je sais, les cours de français, tu n'y allais pas souvent, mais... Oh, pardon, moi, je parle très bien, je pense. Non, toi qui viens de dire croiser. Non, mais juste... Oh, là, et en plus, tu me dis que c'est rentré dans le dictionnaire. Second degré. J'ai envie de tout déchirer et lui prouver que avec ce qu'il m'a appris aujourd'hui, je peux faire... Pascal, on dirait son père un peu. Non, non, en fait, t'as la trois générations. T'as Raph, Jérémy, ouais, Pascal. C'est vrai. C'est les... Teinture blonde, barbe de truc. Ils viennent de la même famille, regarde les trois. C'est incroyable. Incroyable. Ils se tournent autour, hein. Eux là? Ouais. Attends. C'est ça. On t'a échangé un premier baiser durant une activité. C'était mignon ça pour toi? Mais non, pour moi c'était bullshit. Ah non, pour moi c'était bullshit. Attends.
Des bouts de shit, c'est-à-dire des stupéfiants. Je ne parle pas de stupéfiants. Non, pour toi, c'était fake, ouais, pour moi, c'était fake. C'était ouais. Nicolo, c'est le sentimental, tu vois, italiano, tout ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de souci, je ne douterai jamais, c'est un romantique. Mais vous les avez saoulés. Hein. Eux ? Ouais. Pourquoi ? Ah bah, ils n'étaient pas tout le temps tout seuls, libres, etc. À chaque fois, tu avais une Aurélie qui arrivait par ici, une ouais, Aurélie qui parlait par là. C'est les vrai, pauvres, ils ont pas vrai, vécu leur... Vrai, t'inquiète pas pour eux, ils vont gérer leur histoire. I'm a married woman. Meaning what? J'adore. Et le jeu d'acteur de Tiff, mais il est juste incroyable. Ah ouais, incroyable, parce qu'elle a dit « I'm a married woman ». C'est un gamin. Ah, elle l'a trop bien dit, voilà, elle avait fait l'accent bien. Elle a pas dit « Ried, Mariette », elle a dit « Married ». Mais non, franchement, bien, non, voilà. Arrête, comment elle peut faire entraînée. Des placements de produits, tranquille, parce qu'il y en a, c'est chaud et tout. Arrête, elle s'est tellement entraînée en plus. Non, attends, t'en fais des placements de produits, toi. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais est-ce que tu fais des placements de produits? Je fais des trucs, je fais d'accord. Des, du sponsoring. Du sponsoring, voilà, du sponsoring. Mais tu joues quand même le jeu, parce que là, il y a une polémique en ce moment avec certains acteurs. De quoi? T'as pas vu une célèbre marque de canettes énergisantes? Non. C'est quoi? Ils font une pub. Non, attends, je suis obligé. Regarde juste le jeu d'acteur. Là, tu vas me faire croire qu'il boit, là. Non, attends, franchement, regarde elle là, comment elle monte les escaliers. T'es un gamin. Les acteurs c'est magnifiques. Espresso. T'es un enfant. T'es un enfant. Attends, le plus drôle, ça va être lui là. Tapons-nous sa canette comme ça. Mais surtout, regarde ce qu'il va faire après. Mais oh my god, c'est une vraie pub. Ouais. Jure. Non, mais non. C'est qui elle? Je sais pas, je la connais pas. Je la connais un peu. Parce que là, t'es plus bronzée qu'elle, hein? Ah, t'as vu? Ah ouais, et d'accord. Je suis plus fine qu'elle. Tu pars de loin. Ah, le gamin. J'avoue que tu là. Tu pars de loin. Mais moi, je suis à l'aise en sweat comme ça. On dirait que je suis en pyjama. Je suis là, je me rends pas compte que je suis filmée. En même temps, quand t'es dans une maison comme ça, heureusement qu'on va être à l'aise. Hein. Mais c'est trop. Non, mais là, tu ressembles à qui? Attends, tu ressembles à. Attends. À qui je ressemble encore? Non, calme-toi, calme. Tu ressembles à Amy. À quand elle était à Marrakech. Al-Gama. Avant de bronzer. Non mais sérieux. Non mais tu sais que je me dis mais je suis tellement plus pâle que les autres, c'est quand même incroyable. Mais là parce que je te jure que Amy, ouais. Elle était aussi blonde que ses cheveux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À Marrakech, c'est vrai. Ah, et là, vu qu'elle avait bronzé. Tout ça pour dire qu'à Marrakech, tu veux faire la promo de ton pays en fait. Ça. Ouais, regardez-le. Vive le Maroc. Tu crois qu'on t'a pas vu arriver. De mon pays, je suis français, madame. Oui, excusez-moi. Commence pas à faire ta Zemmour et non, à cette belle attar ici. Là. On va pas commencer, hein, d'accord. Prête ton prénom, j'ai la double nationalité, mais je suis français, hein, d'accord. Attends. J'ai rien dit. Je mange des baklawas, certes, Oh putain. Je suis gilet jaune, hein, quand je commence pas. Gilet jaune et. Oh là là. Je suis sûre que je t'ai vu là-bas, c'est sûr. Mais pourquoi je suis tout en rose comme ça? Tu sais, tu ressembles à qui? Non mais là je ressens, on dirait ma passion c'est Barbie dans la voilà, vie. Voilà, tu te rappelles de Pink? Oh, c'est la trop... chanteuse là. Trop mon rouge à lèvres, il ressort rose comme ça. On dirait une Barbie. Je suis un peu goûtée, je me demande qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a mieux à faire que de descendre me voir pour savoir comment ça s'est passé. Elle est déçue. Bah ouais, ça fout le seum. Bah ouais. Tu rentres, t'as envie de partager. Tu rentres, t'as envie de partager ton aventure avec ton mec et tout. Mec, il est là, il dort, je comprends pas. Non mais attends, je rentre. Je pourrais être une candidate à vous. Toi, tu pourrais trop. Toi, tu t'appellerais comment? Zatissa. Non. Zatissa, ouais, ça fait Zatissa, beurette. Zatissa, c'est bien ça. Ouais, ça fait meuf. Ouais, ben, je travaille dans Zatissa. Un... Zatissa. Je travaille dans un resto, en fait, c'est une chicha. Je travaille dans un resto, je suis serveuse, je m'occupe de l'équipe en général. T'as des responsabilités. Gros, ouais, responsabilités, c'est de mettre des charbons sur les... Non, mais genre là, pour... enfin, on dirait une sorcière là, Lia. Elle est toute en noir, cheveux noirs. Ah, corbeau. Arrête. T'as carrément t'as fait le bruit du corbeau. T'es un gamin. McQueen a resté dans sa chambre à pleurer jusqu'à demander de l'attention. C'est un peu too much. C'est un peu too much, frère. C'est un peu too much, t'as vu. Ouais, frère. C'est frère. Tu veux les bails, tu descends, frère. J'ai pas dit frère. Pourquoi t'as vu, j'ai pas dit frère. Moi, c'est ce que j'entends non, là, dans j'ai ce que pas t'as dit. T'as vu, à un moment donné, c'est tout ça drama queen. Drama queen. C'est trop. Tu as aussi, ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Bah, le daron qui vient sauver son fils. Ah, mais lui, c'est son enfant, Raphaël. Hein. Il le défend tout le temps. Il veut savoir comment ça s'est passé. Il vient, lui demande, tu vois. Océane. Océane, quoi? Comportement.
Et toi, t'es le père de Raph, peut-être ? Toi, t'es qui ? T'es son père, toi ? On dirait que c'est le père de Raphaël. Ah, je suis ta sœur, hein ! Je suis ta sœur, et alors ? Pardon, mais toi, alors, quand tu viens te mêler tes affaires qui te regardent pas ? Il est fou, lui ! C'est comment ? Attends, mais Pascal, je l'aime trop, mais il me gaze à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il est trop chiant. Ah, mais après, lui, c'est peut-être pas la même génération aussi. Non, mais c'est un gentil. T'as pas besoin d'aller le voir dans sa chambre pour lui raconter. S'il a envie de savoir, il va te raconter. C'est tout. En fait. C'est tout, mon frère, c'est tout. On est d'accord. On est là, frère, on n'est pas tout seul. À aucun moment j'ai dit frère. À aucun moment j'ai dit frère. Mais c'est ce que j'en pense. Non, jamais dit frère. Je te dis, jamais dit frère. Ça m'a énervé, s'il te plaît. Je change de personne. Il y a un garçon de la cité qui vient dans mon appart. Je m'énerve, je te jure, c'est trop. Il prend de la place en plus. Il prend de la place. Ouais, mais il y avait de la place à ce moment-là. J'avais 5 kilos en plus. En douille. À ce geste-là des meufs, il faut m'expliquer quand vous êtes comme ça. Quand vous fermez vos ongles là, sur votre paume, là, comme mais ça. Mais tu sais pourquoi ? C'est pourquoi ? Parce que ça faisait une semaine que j'avais pas fait mes ongles. Maintenant que j'avais mes ongles. Ah, tu veux les montrer ? Je voulais les montrer. Ah, donc ouais. J'étais comme un... Je comprends pas pourquoi. Ouais, je disais bonjour aux gens comme ça. Salut, ça va ? Ouais, je me vois. Tranquille, t'as eu moi. Moi. Non, moi, je suis en mode comme ça. Non, moi. Non, je comprends pas. C'est qui se rapproche ? Mais de quoi tu parles, toi aussi? Pourquoi tu ramènes ta fraise? Tu sais qu'il est pas là. Ah, c'est vrai, pardon. Tu m'as fait c'est flipper, là. Je suis désolée, je reviens l'instant, je suis gênée. Donc, Jérémy, c'est le toutou de Raph. J'ai dit ça David, le mec, j'ai dit ça. Peut-être que je le pensais. Hein. C'est la petite chienne de Raph, ouais. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je n'ai pas ça. Vraiment dit ça. De quoi tu te plais? En fait, j'ai jamais entendu ça de ta voix. Tu as parlé dans mes oreilles à moi. Je crois que je ne connais pas. J'ai été gentille, j'ai mangé ton ceviche. Maintenant, tu vas te détendre et toi aussi te mêler tes affaires. Retourne à tes crevettes et à ton lit parce que je crois que tu ne sais pas qui t'avait, mon chéri. Je suis trop méchante. Mais là, si je suis à sa place. Mais il m'a énervé. Mais c'est la dépression là. Mais c'est en mode. J'ai dit retourne à tes crevettes. Franchement, c'était joli, tu trouves pas? Je trouve que c'était bien dit et tout. Tu vois, la phrase, elle a bien. Ah, ça, moi, pour toi, c'est de la poésie ce que t'as fait là. Ouais. Moi, c'est une menace de mort, clairement. Ouais. C'est... Frère, là, c'est là, je porte plainte pour harcèlement moral. Peut-être t'as dû répondre, hein, putain. Franchement. Mais je te dis, au début, j'étais calme et tout. Elle était en train de ramper, on aurait dit Mia. Retourne à ton risotto, ouais, à tes crevettes. Mais ça ferait des trop bonnes paroles. Retourne à tes crevettes, à ton riz. Tu savais c'était quoi le ceviche avant ça? Ouais. Je peux pas. Elle a raison, elle donne juste son avis, tout le monde fait ça dans la villa. Merci. Ouais, grave, non, pour le coup. Tu peux pas être dans les anges et dire non, mais ça me concerne pas, je parle. Non, s'il te plaît. Osam, pourquoi tu donnes ton avis? Mais tu rigoles, mais rentre chez toi dans ce cas-là, va faire tes balises. On m'a recruté pour ça. Non, mais c'est ça, à un moment donné. Le casting, c'est. Vous voulez de la. Vous mêlez de la vie des autres en général ou pas? Oui, bienvenue dans les anges. Déjà, j'ai passé le bord. T'as vu, quand on est fâché contre quelqu'un, on fait toujours la voix. Ah, ouais. Mais ils sont ensemble ou pas? C'est ce qui nous a animés pendant toute l'aventure. Regarde comme elle est heureuse. Elle, c'est dingue. Ah ouais. Tu la mets 2 minutes avec Julien, elle a un sourire. Tu vois, ses dents blanches là. Non, ça se voit pas. J'ai le droit de poser des questions. Hey, ils sont en câlin l'un à l'autre. Vous êtes réconciliés? Toi, tu les connais pas. Faut toujours demander avec eux. Je te jure, faut toujours demander. Toi, pourquoi tu viens répéter? Parce que c'est Julien, le capitaine. Ouais, mais lui, je te dis aussi, c'est un des suiveurs de Julien. Il dit non, je descends pas. Bon, et après, il y a Julien qui dit ouais, mais il y a un mauvais comportement. Julien me voit en plus. Ouais. Il t'aime vraiment beaucoup. Là, je peux pas t'aider. Là. Si tu crois qu'une Océane, elle est de bons conseils, c'est vraiment. Et là, je suis quoi? Je suis pas venu. Océane, oh. Depuis pas mal de temps. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est relou. Pourquoi tu te mêles, frère? J'entends partout. Je sais pas. Yeah. Je suis descendu. Are you ready to run? Arrête. En plus, je me rappelle. Et Raoult, t'es descendu, t'as dit qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai peur. T'es descendu en mode Aya Nakamura parler sur moi. Avant, on va faire une petite pause. Attends, parce que là, je pense que voilà. C'est une vraie pause. Ouais, c'est une vraie pause. Bah, hein. Écoute, ouais, non, les gens, ils pensent que j'ai dit pause. C'est une vraie pause. Frère, dans les vidéos, des fois, il y a des pubs, vous dites rien. À un moment donné, c'est bon, on a le droit de faire notre propre pub. Fais-nous un spectacle tous les vendredis et samedis soir. Et le 15 juin à la Cigale, mesdames et messieurs, pour voir mon spectacle. Ah, tu fais ta propre pub en plus. Bah, bien sûr, attends. Tu peux donner mon Instagram? Vas-y, c'est quoi ton Instagram? OCE.RTHN. @OCE.RTHN. Mmh. Ouais. Je te donne ton Instagram, pas le code Wi-Fi de la salle. Ah, le bâtard! OCE.RTBFM. J'espère que c'est une blague. Donc elle est pas assez grande pour agir indépendamment de ce que je lui dis. Non, mais non. Attends. Non, non,
On va le remimer cette partie, je kiffe. Non mais tu sais qu'on dirait une ratchette du ghetto de Harlem. C'est ça qui est drôle. C'est trop horrible. J'espère que c'est une blague. Donc elle n'est pas assez grande pour agir indépendamment parce que je comprends mieux pourquoi vous faites ça les meufs, ça a plus de classe. Mais moi, tu vois, juste des faux ongles. Mais t'aurais des faux ongles. Avec des faux ongles, tu sens le contact de l'ongle avec le pouls là, tu sais, pour sentir la tension. Genre, je suis à 9 là, c'est bon ça. Mais je te jure, t'aurais des faux ongles, tu parlerais tout le temps comme ça, je vois très bien. Je serais là, non, gars, je t'ai pas dit, t'as vu. Je pense que ça m'irait bien. Bien sûr. Oh merde. Mais je dis ce que je veux. Là, ce qui est dommage, c'est que Tiffany, elle dit rien. Elle parle pas. Mais elle sait pas faire ça. D'un côté, je suis Raph. Enfin, à la place de Raph, je le comprends. Moi, par exemple, je déteste qu'on rentre dans mes relations, que ce soit entre moi et ma famille, entre moi et mes potes, ou entre moi et qui que ce soit, en fait. Mais le truc qu'on voit pas, c'est qu'elle, elle me demande mon avis. Ce que Raph ne voit pas, c'est qu'elle te demande ton avis déjà de une. Oui. Et que quand tu lui dis un truc, elle est pas en mode, elle t'écoute et elle est convaincue. C'est ça. Parce qu'elle est déjà dans ton sens. Elle est déjà exactement. En fait, c'est là où elle voit pas. C'est ça. C'est exactement ça. T'étais d'accord avec moi. Médiateur. Je te jure. Non, mais c'est ça. Énergie 12. Mais c'est ça qui m'a énervé. Médiateur. Pourquoi dans ce genre de truc. Toi, tu veux juste te faire de la pub, c'est ça? Non, je veux être le psychologue des anges, frère. Tu veux savoir comment elle s'appelle encore? Parce que ça, c'est une situation. Là. Lucie. Très grave. Je vais t'appeler Lucie. Tiff, elle déteste ça. Je pense qu'on a compris que tu disais ce que tu veux. Mais ils veulent pas entendre, ils me disent non. Non, mais là, en fait, là, t'es rentré dans un truc de. C'est bon, je vous calcule plus, j'ai pété un plomb. C'est ça. Moi, j'essaye d'apaiser les tensions. Mytho! Oh, la meilleure, c'est celle-là. Le mec, il regarde depuis tout à l'heure, il dit « Moi, j'essaye d'apaiser les tensions. Le » Juste mytho. Parce qu'il a dit « Calmez-vous. » Le mytho. Au-dessus de Raph qui crie, Julien qui crie, c'est elle qui crie. Qui va entendre ton « Calmez-vous, les amis. » Le mytho. Dit, ok, vous avez commis des erreurs. Une espèce de mytho, t'as tout... Oh là là, Pascal. C'est Pascal le grand sage, Pascal le messie, Pascal le grand frère, flemme. Il essaye de me convaincre, c'est moi qui attends. T'es une assassin, toi. C'est chiant. Océane, t'entends pas ce qu'on te dit, donc écoute, tu restes avec ta rancune. Pascal, mets de la crème solaire. Mais laisse les gens tranquilles à un moment donné, toi. Bah, il m'a énervé. Maison, toi, déjà. Bah, j'en mets. Oui, bah, on a vu. Je craque. En fait, il y a une accumulation de fatigue, de stress. Tu l'avais pas vu? Non. Tous ces blabla, ces cris, franchement. T'es pas vraiment une pote alors. Hein. Et je suis pas bien. Peut-être j'étais en ITV. Non, excuse-moi, peut-être j'étais en ITV. C'est gênant ça quand tu sais que maintenant il est en couple avec Léana. Léana, ouais, t'as vu ce qu'elle, Léana t'as vu ce qu'elle lâche là sur, ouais, elle sur Insta est, elle est pas contente. J'ai pas tout vu, mais elle se lâche à fond en même temps. Mais elle est pas contente, ça la blesse. Mais c'est mais normal. Bien sûr que c'est, ça c'est te fout le seum. T'es avec un mec, tu vois qu'il est en couple. Ah, mais moi je pourrais pas. Télé... Ah, et elle regarde les épisodes en plus. Ah, non, ah je pourrais pas. Non, c'est chaud. Je pourrais pas. Mais elle est curieuse. Forcément, t'as envie de voir comment ton mec il était avec. Moi j'aurais regardé. Pourquoi t'as fait ça avec elle? Oh là là, c'est les sources d'embrouille. Ah, donc tu la regardes comme ça? Ah ouais, c'est comme ça. Les filles, vous avez trop envie de ça. Moi je lui dirais à ce moment-là, quand t'as dit ça, c'était vrai ou pas? Est-ce que t'es bien avec moi? Tu crois vraiment qu'il va dire non? Non, franchement, je suis pas bien. Grave. D'ailleurs, je veux qu'on arrête. Le plus dur en fait, c'est ça. C'est quand tu réécoutes ou que tu revois ce que t'as dit à la fille en mode ouais, je suis grave sérieux, j'ai envie d'aller le plus loin possible avec toi et tout. Et que là, au moment où tu regardes, c'est-à-dire 3 mois après ou un truc comme ça, c'est. Bah lui, il doit juste dire moi, j'ai changé d'avis. Non, sérieux, non. Je pas là-dessus. Le plan a échoué, grave. Moi, Céline. Oh, putain, le guilly. Vas-y, je rigole pas avec toi. Le non, je rigole pas avec toi. Elle touche moi. J'ai l'impression que Aurélie et Hilary, quand elles sont ensemble, elles sont en mode. Les pestes, on est là. T'as toujours un effet de groupe. Elles étaient en mode. Un trio. Les mauvaises de la maison. Moi, je les adore. Mais c'est vrai qu'une par une, c'est totalement différent. Ouais, bah, j'imagine. Totalement différent. C'est chacune des filles bien. Je pense que. Ah, ils aiment les couleurs, hein. Entre le bleu d'Hilary et le jaune de Yelena. Et le rose que je portais tout à l'heure. Et le vert ici. Ah ouais, c'est gênant. Ouais, c'est la maison des Congolais, en fait. Ils aiment trop les couleurs, ces mecs-là. Hein. C'est vrai que c'est vrai. C'est eux qui ont inventé les Pokémon, les Teletubbies, les... Ah, je savais pas, mais maman, ça prend du sens. D'accord, non, mais je rigole, c'est faux.
Je sais, je rigole aussi. Tu m'as fait flipper là. Non mais t'es sérieux ou quoi? Oui. Donc moi j'allais croire que les Congolais ont voté les Teletubbies. C'est possible quand tu regardes bien la vie de ma mère. Les danses, les couleurs, les costumes. La tête de ma mère, c'est possible. Ce soit... tu blagues toi. C'est pour ça. Je me dis, bah, ils ont peut-être ramené un panda. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Aurélie, salut. Aurélie. Et là. Leur tête. Céline est au Canada. Je suis complètement choquée de la voir. Qu'est-ce qu'elle fout au Canada? Céline, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? C'est mon rire. Sa tête. Du coup, ça a donné de la concurrence à... Yelena. Oh, putain. Tu fatigues. T'as Toto, il crie tout le temps. Toto il a son dort, énergie le matin. Il doit dormir comme ça. Non, mais... Ah t'exagères à peine. T'exagères à peine. Je te jure, il doit crier en dormant. Même Lana, des fois, elle lui dit, pourquoi tu cries? Non, grave. Moi, j'aime pas ce genre de choses. Enfin, voilà, j'aime quand ça se passe naturellement et pas parce que c'est dicté par... J'attendais ta réaction depuis tout à l'heure. Attends, quand même. J'aime bien quand c'est dicté par la prod, mais pas par les gens. La prod, elle te dicte rien du tout. Mais elle te dicte rien du tout. Elle, rien du tout. Elle, juste, elle est maligne. Mais... Oh, par contre, moi, ça me saoulerait un gars comme ça. De quoi? Toujours là. Ça va, t'as soif? Tu veux du beurre? Une tartine? Tu veux que... Mais parce que t'es une Algérienne, c'est pas mon... Bah, demain, laisse-moi tranquille, tu me fatigues, là. Allez, va. Très bonne idée. Qu'est-ce que ça va se voir? C'est mignon, un mec romantique comme ça. Ouais, c'est trop chou. Et par contre, quand tu vois que la meuf, là par exemple, je pense aux meufs qui regardent l'émission et qui sont en mode mais purée, mais t'es un mec parfait, pourquoi tu l'aimes? Pourquoi moi j'ai pas ça? Ouais. Elles doivent tellement insulter la pauvre. Ouais, Céline. Parce qu'elle en avait rien à faire de lui. Non, c'est pas qu'elle en avait rien à faire. Moi, je pense qu'au contraire, elle l'aimait bien, mais qu'elle voulait prendre son temps et pas être devant tout le monde, etc. Et tout. Mais comme à chaque fois, il y a les autres qui s'en mêlent, surtout à la maison. T'as vu à la villa, la pauvre? Aurélie, elle vient. Hilary, elle vient. Yelena, elle vient. À chaque fois, ils avaient même pas de moment à deux. La semaine d'avant, elle était sur Toto. Non mais ça c'est ce que vous en avez déduit ça. C'est elle qui l'a dit. Elle a dit ah, je l'aime bien quand même après mais elle a vu pas que c'était parce mort. Que non mais c'est pas parce que t'aimes bien quelqu'un que tu dis c'est lui ou rien. Tu sais on avait l'impression de quoi? De. Qu'elle voulait à tout prix être avec quelqu'un. Ouais. Bah sinon elle se serait mise rapidement avec. Bah elle avait du mal parce que elle était tu vois c'était un peu plus fort qu'elle. Genre en mode ah. Aimez le manteau. Elle a pas envie d'y aller. Mais arrête laisse-la un peu. Je sais pas, sois surprise, elle aime bien la surprise. Bah elle rigole, elle est peut-être un peu gênée devant les autres aussi. Bon peut-être. Oh là. Genre ouais, t'as peut-être raison au final. Faut toujours donner la présomption d'innocence aux personnes. C'est bon pour le cœur. C'est vrai. C'est vraiment bon pour l'âme. T'as raison. De toujours se dire. J'ai des fois comme ça où je suis comme ça, en mode vas-y que du love. Ah regarde bah oui, là comme elle est impressionnée. Là, les étoiles dans les yeux, c'est beau. Non mais là t'es en mode. Regarde. Regarde. Comment tu crois pas du tout? Qu'est-ce qu'elle est gentille. Regarde. Oh ton qu'est-ce qu'elle est gentille. Mais l'insulte en fait. Voilà, non, c'est que du love. Et ben voilà. Bah c'était très sympa. Ah c'était super. On a bien rigolé. On a bien ri. On a bien vu qui tu aimais et qui tu aimais moi. Arrête, j'ai que du love pour les gens. Bon, si on devait résumer cet épisode. Ouais. Mêle-toi de tes fesses. Ouais. Ouais. Sois gentil, mets du love dans ton cœur quand tu parles des personnes. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que j'ai beaucoup d'amour, mais il y a des gens, j'en ai un petit peu moins. Après, tu vas pas non plus te forcer à aimer des gens. Non, il y a des feelings. Il y a des gens, t'as pas de feeling. Puis c'est viscéral. Quand les gens, tu les aimes pas, c'est comme ça, c'est tout. Comme quasiment tout le monde, je t'invite à mon spectacle. Ah, mais avec grand plaisir. En fait, j'invite tout le monde à venir payer sa place. Ah, d'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. Comment ça? Ah, d'accord. Voilà. J'ai cru que tu m'invitais. Moi, j'ai cru que tu m'invitais. Moi, j'irai. Non, je t'invite à payer ta place. Mais tu m'invites à aller sur le site internet. Non, mais je t'inviterai en VIP. Avec plaisir. Avec plaisir. Rigolé, merci beaucoup. Franchement, avec plaisir. On se revoit très bientôt. Ça sera peut-être pas avec Océane, peut-être avec Océane, peut-être avec le Lama, peut-être avec le. Ouais, peut-être. Hein. Quelqu'un d'autre, on verra. avec ses amis, par exemple, je sais pas, Céline. non, en plus, mais oui. Oui, elle est gentille. Bien sûr. On se retrouve très, très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, parce que moi, je suis un petit peu malade en ce moment. Donc, couvrez-vous, tout ça. Et puis, manger des pistaches, c'est très important, 5 fois par jour. Voilà. Bonne soirée. Ciao. Allez, on va faire ça.